Salut l'équipe, donc là on se retrouve sur un Série 3 E90, donc c'est un 330 XD, donc XD pour 4 roues motrices, D pour diesel, donc c'est une boîte auto comme vous avez pu voir dans la présentation. Sur le 330D c'est un 6 cylindres, à partir du 325 on se retrouve sur un 6 cylindres, donc c'est bon, de manière générale c'est ce qui a fait connaître BM, c'est pour leurs 6 cylindres qu'on les connaît. Bon, après il y a d'autres moteurs en 4 cylindres. Du 316 au 318 au 320, c'est des 4 cylindres. Donc sur ces années-là, enfin ces moteurs-là, ils sont sortis, enfin ces BM-là sont sortis de 2006 à 2013 plus ou moins en 4 déclinaisons. Bah, le E90 c'est comme celle-ci, donc c'est la berline. Le E91, donc c'est la E90 mais en break. Et après il y a la version coupée. Donc on a la E92, donc c'est la coupée basique. Et on a la E93. Qui est la coupée mais en cabriolet, en décapotable. Donc après là-dessus, sur deux modèles, ils ont sorti le M3. Donc ils ont sorti le M3 en E92 et en E90. Et de disponible sur ces gammes-là, enfin sur le 90 plutôt, comme les autres, E92, on a le 316, le 318, le 320, 325, 330 et 335. Donc là après le moteur qui est dessus, comme je disais, c'était un 6 cylindres. Alors comme 6 cylindres, c'est le M57, donc M de maman. C'est parce qu'après il y a eu le N57. Et en fait ceux qui ont eu des problèmes chez BM, c'est les N47. Donc sur celle-ci, normalement a priori, bon ça reste toujours à vérifier, à contrôler, il n'y a pas de problème de chaîne. On en reparlera un peu plus tard. Mais normalement il n'y a pas de problème. Donc en l'occurrence sur ce BM là, on a comme option, on a les airbags. Non, donc on a le CCC Pro, donc c'est celui qui est, c'est le 16/9, c'est le grand, parce que sinon il y a celui qui est plus petit. En gros il n'y a pas l'ordinateur de bord là qu'on peut voir en plus. On est sur la boîte auto, clim auto. Bon, j'ai pas le pack fumeur parce que par exemple là normalement il y a un allume-cigare comme derrière. Bon, on a les 4 vitres électriques, rétro rabattable, on a le full cuir. C'est pas un vrai pack M, c'est un paquet seconde monte. Ensuite j'ai pas le sel de toit noir, mais j'ai le full cœur noir, j'ai pas le toit ouvrant. C'est un XD, donc comme je disais, c'est pas une propulsion, c'est un 4 roues motrices. On est en 70-30. Après les jantes là dessus c'est pas les jantes définitives, on est monté en, c'est du quoi, c'est du 225 45 R17 si je dis pas de bêtises. Donc c'est des jantes de série 3 basiques il me semble. Après en termes d'options, c'est des options basiques qu'il y a de chez BM, les bips, enfin les radars avant arrière. Après ce qui est bien sur celle-ci, c'est l'ordinateur de bord qui est intégré directement. Quand on va dans les menus, elle nous dit directement le défaut qu'on a. Par exemple, hop, on va dans service direct, hop. Bon là vous allez voir les défauts que j'ai, attention vous allez avoir mal aux yeux. Voilà, par exemple, bah, j'ai plus de liquide de lave-glace et mes deux phares anti-brouillard, bon, ils sont pas en panne, c'est juste qu'ils sont pas branchés. Ils sont à brancher, mais voilà. Et elle vous dit directement ce qu'il y a, et après, bon, voilà. Et par contre, ce qui est différent de chez Volkswagen, par exemple, c'est que pour enlever les défauts, il faut vraiment le logiciel BMW ou le Carly, parce que bon, c'est un peu spécial chez BM. Donc, ça, c'est une finition, pas que luxe. Donc, là, les gars, pour un usage quotidien, en vrai de vrai, ça va. C'est un peu lourd parce que c'est une direction hydraulique et pas électrique. Après en soi, en termes de conso, en vrai c'est raisonnable. Je tourne à combien? Je tourne à 8,6 litres, mais après j'ai le pied lourd. Voilà, je suis à 8,7 litres. Sur autoroute et au régulateur, si vous consommez 5 litres, c'est bien. Franchement, 5 litres au 100. Après celle-ci, il faut savoir qu'elle est équipée d'un bon stage. Enfin, elle a un stage 2, elle est défab avec une downpipe et. C'est tout, et une ligne complète. C'est pour ça que ça chante plutôt fort et que ça marche plutôt bien aussi. Vas-y, hein! Après, d'origine, on est sur quand même quelque chose de 230 chevaux, donc c'est pas négligeable. Sur un véhicule de cette gamme-là, je pense que
Le 325 c'est le minimum. Parce que 320 c'est juste avec 180 chevaux. Après pour tout ce qui est frais quotidien, bon bah un plein c'est avec les conjonctures actuelles c'est quoi? C'est 90 euros à peu près de bon gasoil. On a 90-95 euros. Après tout ce qui est consommable, frais divers comme d'habitude, hein, c'est toujours plus ou moins la même rengaine. Après c'est sûr que si vous êtes équipé en plutôt en 19 pouces, vous avez payé très cher des pneus. Mais après si vous êtes sur du 18, du 17, ça reste abordable. Il y a des plans, il y a des choses. Après en termes d'assurance, étant donné que là on est sur une grosse cylindrée quand même, c'est considéré comme une grosse cylindrée, encore pire si vous l'avez en coupé parce que bah, c'est une domination sport, vous risquez de payer plus ou moins plutôt cher l'assurance. Moi par exemple là en tout risque optimal je suis à 115 euros. Après comme j'ai déjà dit, j'ai déjà pas mal d'expérience dessus, enfin d'expérience de conduite, j'ai 50 conduites, j'ai tout ça. Donc ouais, pour en revenir sur tout ce qui était les frais de consommation, genre des consommables. Par exemple, c'est sûr que maintenant, bah, c'est un 6 cylindres, donc il y a 6 cylindres donc, et non 4, donc ça, forcément ça fait 6 bougies. En plus, il y a plein de petites maladies connues sur ce modèle-là. Par exemple, quand vous changez bougie, il faut changer le boîtier de préchauffage. Et ça, chez BM, c'est 200 euros le boîtier. C'est un petit boîtier. Après, bah, les 6 bougies, vous en avez pour à peu près 20 euros la bougie. C'est des petits frais supplémentaires, mais qui, au cumul, bah, ça augmente le prix des charges pour le véhicule. Après, ce qu'il y a à savoir, c'est que chez BM, en général, c'est plus cher que chez VAG, c'est-à-dire Volkswagen Audi. C'est un peu un groupe spécial en vrai BM aussi. Les BMI, ils vont se reconnaître. Donc, comme je disais, il y a des moteurs à éviter là-dessus. Donc, on a c'est tous les moteurs du phase 2 en général. C'est-à-dire le N47 et le N57. C'est ceux qui ont des problèmes de chaîne, elles peuvent être à n'importe quel moment. C'est affreux parce que c'est un billet déjà à changer avant que ça casse. Et c'est encore un plus gros billet quand c'est cassé parce qu'il faut changer le moteur. En général, c'est pas réparable. Donc c'est pour ça que si vous pouvez privilégier un M, que ce soit pour un 320 ou un M pour un 330 ou 325, ça va dépendre du nombre de cylindres. C'est mieux. Après, bon, bien sûr, ça a vérifié, ça a contrôlé. Les vidanges, si vous avez un moteur à N47 ou M57, faites vos vidanges tous les 10 000 km. Ça évite certains désagréments de chaîne et ça prolonge la longévité du moteur, elle n'en sera que meilleure. Après tout ce qui est huile, après là-dessus, ouais voilà, quand c'est une boîte auto et un X-Drive, il faut faire attention, surtout si c'est un X-Drive. Il y a la boîte de transfert et à vidanger. Après, sur la boîte auto, c'est bien aussi de faire la vidange régulièrement, même s'ils disent que c'est à vie, c'est pas vrai. Tous les 60-70 000, c'est le top. Et vidange de points arrière, les gars, faut le faire parce que souvent c'est personne le fait parce que personne n'y pense. C'est super important pour l'agrément de conduite. C'est pas ce qui coûte le plus cher, il n'y a pas beaucoup de litres dedans. Donc en vrai, si vous faites vos vidanges de boîte, faites tout en même temps. Donc on n'a pas fini au niveau des petites maladies sur ces moteurs là, puisqu'on va les retrouver sur les séries 1, sur le 46, sur le 90, le 60, enfin les séries 5, séries 3, séries 1. C'est tout ce qui est clapet d'admission au niveau bas de l'admission d'air. C'est des petits manchons à changer, à mettre par des bouchons, parce qu'en fait ils tombent dans l'admission d'air et ça peut tout faire sauter, enfin tout faire péter plutôt. Vous avez la maladie de l'écran, que ce soit sur série 5, 60 ou 61 ou le 90, 80, enfin tout cela là, il s'éteint et il démarre et c'est fini, il faut le changer complètement, enfin ce souci. Vous avez le souci de la poignée de porte, en mode la centralisation ne fonctionne plus sur des portes. Vous avez des kits de réfection sur Amazon à 10-15 euros. C'est plus ou moins compliqué, après vous pouvez changer la serrure directement. Après en maladie vous avez aussi les vérins, vous avez les ciels de toit ici qui se décollent souvent. Il y a pas mal de petites maladies, les usures anormales des volants. Vous allez voir, il y en a des vertes et pas mûres chez BM, mais après ça reste des bons moteurs. Vous pouvez être tranquille, vous pouvez faire beaucoup de routes. Comme je vous disais, un plein à 5 litres 100, moi je fais 1200 km. En ville j'en fais plus ou moins 600. Quand j'ai pas le pied lourd, je vais vous parler d'un petit projet. Donc en vrai, le 90, moi je l'ai pas récupéré comme ça. Je l'ai récupéré dans un état. Je vous montrerai quelques photos si je les retrouve. J'ai déjà monté tout ce qui est paquet extérieur. J'ai déjà fait les calandres noires, le rattrapage des feux, même si on voit pas trop. J'ai fait pas mal de petits frais. J'ai déjà changé une fois les jantes. Là, il y en a d'autres qui arrivent. Et en fait, je voulais vous montrer l'évolution. Du 90, je vais essayer de le passer en 100% paquet, soit du volant au ciel de toit. Essayer de faire quelque chose de propre. Je vais essayer de vous montrer ça en vidéo avec quelques petits
petits accessoires supplémentaires de pare-chocs à l'intérieur qui peuvent peut-être vous pouvez peut-être apprécier. Je vais essayer de faire ça en vidéo, donc je sais pas encore sous quel type de format et on verra ce que ça donne, parce qu'il y aura peut-être d'autres voitures qui vont suivre de la sorte, mais à 100%, genre du moment de l'achat au projet final, quand je sais pas, mais ça sera pour bientôt, j'espère. Bah, sur ce, les gars, la vidéo là elle est finie, elle touche à sa fin. Je vais vous laisser sur quelques petits highlights, comme on dit. On se retrouve pour la prochaine vidéo et à bientôt. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir.